La période de questions orales. Chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président, et bon matin. Ma question est à la Première ministre. C'est la dernière période de questions orales dans ce 41e Parlement. Et je voudrais maintenant résumer le bilan du Parti libéral. Kathleen Wynne tente désespérément de changer le poste, mais cette campagne électorale, les libéraux auront à défendre 15 ans de gaspillage, de scandales et de malgestion. Et bien sûr, les tarifs en électricité qui continuent de monter en flèche sont comparés à 2003. Les familles, en moyenne, paient 1 000 de plus sur leur facture d'électricité. L'Ontario a les tarifs les plus chers en Amérique du Nord en ce qui concerne les tarifs en électricité. Et la première ministre, est-ce qu'elle va se rappeler que les familles partout en Ontario doivent choisir entre chauffer et manger alors que les libéraux, les amis des libéraux, se sont enrichis aux dépens des Ontariens? À la première ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais premièrement dire au député d'en face, je voudrais le féliciter au sujet du travail qu'il a fait en ce qui concerne son poste en tant que leader dans la Chambre. Et je voudrais lui souhaiter les meilleurs voeux à l'avenir. Je voudrais dire que vous avez fait un très bon travail, même si je n'aime pas toujours vos questions. Et je dois dire, Monsieur le Président, que les garderies à temps plein, l'infrastructure que nous avons bâtie partout en Ontario et le taux de chômage est un taux historique, un taux bas historique, et le fait qu'il y a 235 000 personnes qui sont au collège et aux universités et qui ne paient pas de frais de scolarité grâce aux initiatives qu'on a mises en place. Et le fait est que l'Ontario se porte très bien. Nous voulons nous assurer que l'Ontario continue d'avoir du succès en investissant dans les gens dans la province. Et ça veut dire qu'on va être plus fort et que l'économie en profitera aussi. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire. À la première ministre, merci de vos commentaires, Madame la première ministre. Par contre, alors que je continue, l'Ontario n'oubliera jamais le scandale des centrales au gaz. Cela a coûté aux contribuables de l'Ontario 1,1 milliard de dollars. Arrêtez la pendule. Nous passons maintenant aux avertissements. Et je vais m'en servir, bien sûr. Veuillez compléter. Un fonctionnaire du Parti libéral a reçu une peine de prison pour avoir supprimé des courriels. Et Mme Wynne faisait partie du Parti libéral alors que cette décision a été prise pour supprimer les courriels. Elle a signé les documents pour avoir des ententes secrètes avec les entreprises des centrales au gaz. C'était une des premières décisions de la part de Kathleen Wynne après l'élection de 2014. C'était d'annuler le comité qui était si près d'avoir des réponses pour les Ontariens de l'Ontario. Est-ce que la première ministre va avouer que ça va faire partie de leur bilan, ce scandale des centrales au gaz? Le procureur général, nous sommes assurés qu'il y ait une retraite sécure pour les Ontariens. La première ministre avait aussi, faisant partie de sa campagne électorale, de s'attaquer au changement climatique. Et cette première ministre avait aussi comme promesse d'investir dans l'infrastructure partout dans la province, d'investir dans les ponts, les autoroutes, partout dans la province, et c'est ce qu'elle a accompli. C'est une première ministre qui a fait en sorte que la priorité soit sur les Ontariens. Elle a investi dans toutes les choses qui, pour s'assurer que tous les Ontariens de tout parcours, de tout peu importe qu'ils soient de peuples autochtones, qu'ils soient des personnes racisées, de peu importe où ils viennent, et cette première ministre s'est assurée que les Ontariens soient la priorité, peu importe où ils sont ou qui ils sont. Dernière complémentaire à la première ministre. La première ministre nous dit qu'elle est entrée en politique pour se défendre les droits en éducation, mais son gouvernement a fermé plus d'écoles que tout autre gouvernement dans l'histoire de notre province. La première ministre a vendu Hydro One.
Intervention du président. Ministre de l'Enseignement supérieur a été averti. Et il y en a d'autres qui sont en liste. Veuillez compléter. La première ministre a vendu Hydro One dans une vente à feu. Et la première ministre a mis l'intérêt de ses amis au-delà des intérêts des Ontariens. Elle a défendu un salaire de 6 millions de dollars à Hydro One, alors que les familles doivent décider entre chauffer et manger. Et elle a vu des centaines de milliers d'emplois dans la fabrication quitter le pays. Elle a sabré dans les soins de santé. Quand est-ce que la première ministre a perdu sa voix? À la première ministre, Monsieur le Président, ça vient d'un parti qui a comme campagne électorale des coupures et des compressions, et encore une fois, ils vont réduire le salaire minimum pour les travailleurs de l'Ontario. Doug Ford va couper les impôts pour les entreprises bien nanties dans notre province. Député de Stormont-Dundas, South Glengarry, a été averti. Et vous savez quoi d'autre qu'il va faire, Doug Ford? C'est qu'il va éliminer des emplois des travailleurs de l'Ontario, tels que dans les infirmiers et infirmières et dans l'éducation, pour trouver des efficacités. La première ministre a augmenté le salaire minimum à 15 de l'heure. Et elle s'est assurée que des médicaments sont gratuits pour ceux de plus de 65 ans et de moins de 25 ans. Elle s'est assurée que les services de garde sont gratuits pour les enfants avant la maternelle. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question est à la première ministre. Pendant 15 ans, la première ministre a ignoré les soins au-delà des coupures. Toujours, elle a choisi les coupures au-delà de la santé. Elle a créé la crise que nous avons en Ontario. Nous avons maintenant la liste d'attente les plus longues dans l'histoire de l'Ontario. Ils ont mis à pied plus de 1 600 infirmiers et infirmières. Ils ont coupé les services de physiothérapie pour les aînés. Ils ont aussi mis un gel sur les budgets des hôpitaux. Ils ont réduit les services des médecins et ils ont réduit les postes de résidence en médecine. Pourquoi est-ce que la première ministre a imposé une crise en santé dans la province de l'Ontario? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci, Monsieur le Président. Et bien sûr, de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes très fiers de notre bilan lorsqu'il s'agit de la santé. Parce que durant la dernière décennie, notre système s'est amélioré de manière importante. Nous avons augmenté nos investissements à tous les ans, nous permettant de traiter plus de patients, de fournir de meilleurs soins et de réduire les listes d'attente aux périodes les plus courtes dans le pays. Plus de millions de plus de Canadiens ont accès à un médecin de soins primaires. Selon l'Institut Fraser, j'espère que les partis d'en face apprécient leur analyse. On coté l'Ontario en ayant les listes d'attente les meilleures au Canada. C'est le résultat direct des investissements que nous avons faits. Donc, par le biais des années successives, nous avons fait des investissements supplémentaires. À la première ministre, crise après crise, la première ministre a fait en sorte que l'Ontario est dans une situation très précaire. Durant les 15 dernières années, la dette de l'Ontario a triplé. Tout cela pour payer pour le gaspillage, les scandales et la malgestion de la part des libéraux. Les contribuables paient 1 milliard de $ pour le service de la dette par mois. C'est une dépense plus importante que tout autre service tel que la santé et l'éducation. C'est justement ce que la vérificatrice générale nous avertit en 2015 et en 2007 qui aurait lieu. Donc, est-ce que la première ministre se rend compte que ces milliards de dollars de malgestion et de gaspillage ont été faits au détriment des services en santé et en éducation? Ministre des Finances. Je prends la question avec certain intérêt et ça fait partie du livre de fantaisie de la part de M. Fedeli. Député va
nommer les personnes par leur circonscription, par leur titre. Donc, le député de North Bay, son livre de fantaisie de la part du député de North Bay, avec l'intérêt sur la dette, le député d'en face devrait savoir que, ici en Ontario, nous avons l'intérêt sur la dette la plus faible de 8 cents par dollar. Alors que vous étiez au pouvoir, c'était 15 ou 16 cents par dollar. Lorsqu'on parle de programmes qui ont été sabrés, les programmes qu'ils proposent maintenant, 16 milliards de dollars, qui vont réduire les programmes complètement. Nous investissons dans notre économie, dans nos programmes, dans nos services. Nous menons le Canada. Nous avons le plus bas taux de chômage en plus de deux décennies. Nous savons ce que nous avons fait. Et ce n'est pas en faisant les coupures que l'opposition suggère de faire. Une nouvelle question. Avec cette dernière occasion que j'ai de poser une question ici, je vais poser une question à la première ministre. Nous avons vu le mal qui a été infligé sur les Ontariens durant les 15 dernières années par ce gouvernement. Mais c'est seulement Doug Ford et le Parti progressiste conservateur ont un plan pour les Ontariens. Nous allons mettre plus d'argent dans les poches des Ontariens. Nous allons trouver une solution à la crise en électricité. Nous allons créer des emplois. Nous allons rétablir la redevabilité, la transparence, et nous allons réduire les listes d'attente dans les hôpitaux. Les gens de l'Ontario doivent savoir que l'aide s'en vient. Veuillez vous asseoir. Ministre, Monsieur le Président, voici ce qu'ils vont nous aider à faire et ce que vous allez faire à cette province. Il dit déjà qu'ils vont couper les revenus de 2 à 3 milliards de dollars. Ils vont arrêter d'investir dans les projets d'infrastructure qui nous rendent concurrentiels à long terme. Ils vont couper les programmes en santé, en éducation, sur lesquels les Ontariens dépendent. Ils vont nuire aux gens, ils vont nous mettre dans une situation compromettante. Ils vont nuire aux prochaines générations, à notre croissance économique. Nous devons continuer d'investir et de diversifier notre économie comme nous le faisons maintenant et de nous permettre de surmonter les défis auxquels on fera face à l'avenir. Le chef de l'opposition et son leader ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger les Ontariens. Notre première ministre le fait. Notre gouvernement défend les intérêts des Ontariens à tous les jours et nous allons continuer de le faire. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant de poser ma première question à la première ministre, je voudrais reconnaître que nous nous lançons en campagne électorale durant les prochaines semaines et j'espère qu'on aura un bon débat pour les Ontariens. La démocratie, c'est une grande chose, alors que nous avons un débat avec respect et nous devons assurer qu'on a ce type de campagne parce que c'est ce que les Ontariens méritent et qu'on peut tous être fiers d'une telle campagne. Donc maintenant, ma question, après 15 ans au pouvoir, pourquoi est-ce que l'Ontario a la médecine de couloir, mais on n'a pas d'assurance médicaments et de soins dentaires pour tout le monde? À la première ministre, merci, M. le Président. Je sais que la ministre de la Santé voudra commenter, mais je voudrais remercier la chef du troisième parti et de remercier la chef du troisième parti au sujet du débat. Je suis tout à fait du même avis que c'est une bonne chose d'avoir une campagne avec respect pour le processus démocratique et pour tous les Ontariens. Et je dois dire à tous les députés que je leur souhaite meilleurs vœux sur la campagne électorale à différents degrés, certains plus que d'autres. Mais personnellement, je vous souhaite un bon mois à venir. Monsieur le Président, nous avons, comme la ministre de la Santé l'a déjà dit, nous avons investi dans notre système de soins de santé à tous les ans. Nous avons augmenté les investissements à tous les ans. Nous avons travaillé à transformer le système pour que ceux qui veulent des soins à domicile ont plus de services à domicile chez eux. Nous savons que les gens veulent rester à la maison plus longtemps. Nous avons apporté ces investissements pour qu'ils puissent le faire et nous continuons d'investir dans les soins de santé que les gens ont besoin quand ils en ont besoin. Complémentaire. Monsieur le Président,
président, pendant 15 ans, le gouvernement libéral a eu le choix. Et le gouvernement aurait pu continuer avec les compressions aux hôpitaux lancées par les conservateurs ou ils auraient pu faire les investissements nécessaires afin de s'assurer qu'une population vieillissante et croissante ait les soins dont elle a besoin. On sait ce qu'a choisi la première ministre. Les patients des hôpitaux sont traités dans les couloirs, dans les salons, même dans les salles de bain. Pourquoi est-ce que cette première ministre a choisi de faire des compressions plutôt que de s'occuper du mieux-être? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, plutôt ce matin, le troisième parti devra faire un choix, soit voter en faveur de notre budget 2018. J'aurais cru que ce budget, puisqu'il est progressiste, comprend exactement ce qui veut être accompli par les néo-démocrates. J'espère qu'ils votent pour notre budget parce que notre plan pour la santé est bien établi. Il considère tous les aspects, tous les liens qui mènent à un bon réseau de la santé. De toute évidence, nous avons aussi établi les coûts de façon bien établie et prévisible. Nous avons suivi les bons conseils de notre réseau Airlis, des patients de soins à domicile Ontario. Nous avons un excellent plan pour l'Ontario et nous encourageons le troisième parti à le suivre, à l'appuyer. Réponse, la chef du troisième parti, surtout ne retournez pas votre souffle. Là, avec la médecine du couloir, on aurait pu y mettre fin. Les libéraux n'ont pas fait en sorte qu'on y mette fin. Ça fait 15 ans, Monsieur le Président. Il y a 15 ans, on aurait pu commencer à mettre en place un régime d'assurance médicaments. Mais 15 ans plus tard, les gens vont en salle d'urgence parce qu'on ne peut pas se permettre de payer les soins dentaires dont la population a besoin. 15 ans plus tard, on doit choisir entre payer les médicaments ou pour leur loyer. Pourquoi est-ce que les gens doivent encore prendre cette décision après 15 ans de pouvoir des libéraux? La ministre, comme je l'ai dit de façon répétée, on investit à chaque année, on augmente le budget pour nos hôpitaux et pour tous les aspects qui sont liés au réseau de la santé. Alors qu'on regarde le programme électoral des néo-démocrates, nous sommes heureux que les néo-démocrates répliquent ce que nous avons fait avec les 15 millions de dollars en investissement. Ils veulent 1 200 nouveaux lits dans nos hôpitaux, comme nous avons prévu. Mais ils seront déçus lorsqu'on regarde les détails de ce programme. On n'a pas regardé cette augmentation que nous avons vue au cours de l'année. Nous nous sommes engagés à le faire parce que nous savons qu'il y a des problèmes de capacité. Nous croyons que de nouvelles initiatives telles que notre centre de réactivation des soins comme celui à Hamburg sont extrêmement importants. Nous sommes aussi déçus de savoir qu'ils feront des compressions de 500 millions de dollars sur ce que nous avons fait dans le plan en matière de santé mentale et de toxicomanie. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci. Ma prochaine question s'adresse aussi à la première ministre. Il y a 15 ans, les électeurs de l'Ontario ont rejeté un gouvernement conservateur qui faisait des compressions. 15 ans plus tard, les électeurs ontariens sont sur le point de rejeter un gouvernement libéral qui fait encore plus de compression et de privatisation. Pourquoi est-ce que les libéraux ont choisi cette voie alors qu'ils auraient pu offrir des soins dentaires pour tous ainsi qu'un régime d'assurance médicaments? La première ministre. Établissons les faits ici. Le fait est qu'on n'a pas fait de compression au système de santé. De plus en plus, à chaque année, nous investissons de plus en plus. Je dois faire un commentaire parce qu'on voit un exemple aujourd'hui. D'un moment où l'idéologie entrave la voie des néo-démocrates. Et les néo-démocrates n'ont aucune foi au secteur privé. Et ils ne croient pas que le secteur privé soit d'une utilité quelconque. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est l'idéologie entourant les relations de travail qui empêche les néo-démocrates de voter afin que les élèves puissent retourner à l'école. L'idéologie ne résout pas les problèmes. Ici, on résout les problèmes de façon pratique. Parfois, l'idéologie entrave la voie. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, 10 semaines plus tard, juste avant une élection, ce n'est pas étonnant
que la première ministre surveille ses propres intérêts politiques, puisqu'elle sait très bien qu'il y a 10 semaines, elle aurait dû régler la situation déjà. Monsieur le Président, intervention du Président. Vous n'aimez peut-être pas ça, mais je suis résolue à agir jusqu'à la fin. Continuez. Ce dont la première ministre et la population peuvent être certains, c'est que mon idéologie sera la même avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection, au contraire des libéraux. Un gouvernement peut faire beaucoup en 15 ans. Si les libéraux l'avaient voulu, ils auraient pu mettre fin à la médecine du couloir, offrir des soins dentaires couverts ou un régime d'assurance médicaments. Mais en 15 ans, ce n'est pas ce que voulaient les libéraux. Ils voulaient faire des compressions privatisées, ils voulaient aider leurs amis de Bay Street en empirant la vie de tout le monde qui reste. Pendant 15 ans, pourquoi est-ce que les libéraux n'ont pas mis fin à la médecine du couloir, n'ont pas offert de soins dentaires couverts ni de régime d'assurance médicaments? Réponse de la première ministre. Mes valeurs sont en place depuis le début de ma vie. Je dirais à la chef du troisième parti que si je regarde son programme électoral de 2014, ses valeurs semblent avoir changé. Parce que les deux programmes sont très différents. Monsieur le Président, laissez-moi dire que ce dont on parle aujourd'hui est une demande des hauts néo-démocrates de retourner les étudiants de York dans les salles de classe. Intervention du Président. Merci. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de l'Infrastructure est averti. Un autre ministre est sur ma liste. Complémentaire final. Eh bien, Monsieur le Président, 15 ans, c'est assez de temps pour qu'un gouvernement finance les collèges et les universités de façon appropriée afin qu'il n'y ait plus de grève à chaque année. 15 ans, c'est assez pour qu'un gouvernement s'assure que les Ontariens et Ontariennes puissent obtenir les médicaments contre le cancer dont ils ont besoin ou qu'un enfant soit traité sans se poser la question, sans que les parents se posent la question sur comment ils vont défrayer les frais. Est-ce que 15 ans, c'était assez comme période d'attente pour obtenir un régime d'assurance médicaments et un régime de soins dentaires? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, il faut être objectif ici. Les Ontariens et Ontariennes vivent plus longtemps, plus en santé que n'importe où, pratiquement dans le monde. Et tout parti de l'opposition qui suggère que notre réseau est en crise ne fait que semer la peur pour des gains politiques. Nos professionnels de la santé répondre aux besoins de cas de santé, soins de santé de plus en plus complexes, d'un volume qui augmente à chaque année, et en fait, de ne pas reconnaître le fait qu'ils relèvent le défi, c'est d'insulter les gens qui travaillent dans ce système à chaque jour. Il faut reconnaître qu'il faut aller au-delà de s'assurer que les gens demeurent en vie. Nous avons besoin d'un réseau qui donne la priorité aux patients, c'est ce que nous avons fait. Et on ne peut pas se permettre d'agir de la façon que le font les néo-démocrates. Ça ne rend pas service à notre réseau. Nouvelle question. Député New York Simcoe. Aujourd'hui, je vais poser ma dernière question au gouvernement, Madame la Première ministre. Alors que je prends la parole aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser à un héritage. Quel sera l'héritage que je laisse derrière dans ma circonscription de York Simcoe? Quel sera l'héritage de ce gouvernement? J'espère que mon héritage représentera ma circonscription, la façon dont je l'ai représentée de la meilleure façon que je pouvais et de défendre les idées locales et l'environnement. Lorsque je pense à cet héritage, je pense à la montée en flèche des tarifs d'électricité, l'annulation des centrales au gaz, les compressions aux soins de première ligne, la fermeture des écoles et les promesses qui n'ont pas été tenues.
Je pense aux politiques financières qui rendent plus importantes les opérations photo que la population. Ma question est simple. Étant donné votre bilan, est-ce que les gens peuvent croire aux promesses que vous faites? La Première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et j'aimerais simplement dire à la députée qu'elle a bien desservi sa circonscription, c'est comme étant. C'est une bonne dame. Et je sais qu'elle a travaillé de façon acharnée pour un Ontario plus fort. Je ne crois pas que la députée veuille voir des compressions faites à l'échelle de la province. Elle l'a vécu sous un autre gouvernement. Elle sait qu'il y a eu des problèmes créés, tout particulièrement dans sa circonscription. Et je crois qu'elle a le meilleur intérêt de la population à cœur. Monsieur le Président, je leur souhaite une bonne retraite. Je la remercie de son travail pour la province et alors qu'on continuera à faire progresser l'Ontario, il verra les avantages à sa circonscription. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, sous votre leadership, les impôts et les frais n'ont fait qu'augmenter. Des milliards de dollars ont été gaspillés et les amis libéraux sont devenus riches sur le dos des Ontariens et Ontariennes qui travaillent de façon acharnée. Au cours de mes 23 années, je n'ai jamais vu de couloirs assignés comme étant des lits dans un hôpital. Maintenant, vous essayez de subjuguer les électeurs avec leur propre argent. Il est important d'avoir un gouvernement responsable. Je pense aux promesses électorales que vous n'avez pas tenues. Je voudrais bien les énoncer, mais j'ai peur que le président m'interrompe. Comment est-ce qu'on peut faire confiance aux promesses que vous faites? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre, Monsieur le Président, je sais que ce sont les lignes de parti qui énonce la députée, et je le sais parce que j'ai une sœur, un beau-frère, trois nièces et un neveu qui vivent dans la circonscription de la députée à Bradford. Et j'ai vu les bonnes écoles qu'ils ont. J'ai vu la croissance et le fait que cette communauté s'est améliorée à Bradford. J'ai vu à quel point elle est protégée par la ceinture de verdure. Bradford, c'est une histoire de réussite en Ontario. On voit les gens qui déménagent en Ontario, qui s'installent en Ontario, et c'est la raison pour laquelle notre taux de chômage est à son plus bas en 20 ans. Encore une fois, je remercie la députée de l'autre côté pour tout le travail qu'elle a fait dans sa collectivité, et nous savons que cette collectivité continuera de fleurir. Député de Toronto Danforth, nouvelle question. À la ministre des Services communautaires, dans ma circonscription, une famille a un enfant avec un grand problème de santé. On voulait s'assurer d'avoir le personnel nécessaire une fois que Sam sera diplômé de l'école secondaire. On a contacté l'église locale pour avoir un emploi à temps partiel pour Sam, pour qu'il ait des activités structurées au cours de la journée. En mars, on a essayé d'avoir une confirmation du ministère que le financement passeport serait en place pour la remise des diplômes de Sam. Ce qu'ils ont reçu, c'était des réponses vagues et aucune garantie que le financement serait en place. Au ministre, pourquoi est-ce que les familles telles que celles-ci sont abandonnées par votre ministère lorsqu'ils en ont besoin? Ministre des Services sociaux et communautaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un conseil pour le député de l'autre côté. Lorsqu'il a des problèmes spécifiques, tels que celui-ci qui entrait au commettant de sa circonscription, il devrait simplement venir m'en parler parce qu'on peut travailler sur des cas spécifiques s'il a besoin. Et il sait très mieux que quiconque que je ne peux te parler de cette question spécifique, mais je serai heureux de le faire à n'importe quel moment, Monsieur le Président.
Nous voulons nous assurer que tout un chacun dans la province puisse aller de l'avant et réussir. Ça inclut évidemment les gens qui ont un problème de développement. Et dans le budget 2018, sur lequel nous ferons la mise aux voix aujourd'hui, nous voulons nous assurer que chaque personne en Ontario qui est admissible reçoive le financement passeport. J'espère que le député appuiera le budget pour qu'il puisse répondre aux besoins de cette famille et des gens de sa collectivité. Complémentaire. Eh bien, ce n'est pas ce qu'a dit le personnel du ministère à cette famille. Mon bureau a contacté le ministère sur l'histoire de cette famille. On a eu une réponse. Les parents étaient encouragés de continuer à faire des demandes au programme pour son enfant et on s'est fait dire qu'il y avait un frais pour les services offerts à cet enfant. Cette famille n'est pas en mesure de payer pour les services. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin du financement passeport. Sam n'aura aucune aide, même si les parents ont suivi les directives du ministère. Pourquoi est-ce qu'une famille qui suit les directives de votre ministère est détournée vers les services privés? Le ministre, dans notre budget, nous allons investir 1,8 milliard de dollars sur les prochaines 3 années pour les services de développement. Et c'est la première fois où les adultes qui ont un retard de développement pourront faire une transition vers les services adultes et recevront 5 000 $ par année en tant que financement direct par le programme Passeport. Ça signifie que 42 000 personnes feront partie du système d'ici 2020-2021. Monsieur le Président, nous voulons nous assurer que peu importe là où vous vivez dans la province, que vous ayez des services de soutien en place afin de recevoir un type de financement pour que l'on puisse les utiliser pour les services dont vous avez besoin. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse à la ministre responsable des Affaires des personnes âgées. Il y a beaucoup d'aînés dans ma circonscription et comme vous le savez, les aînés représentent le segment de la population en Ontario qui croît le plus rapidement. 2 millions d'aînés dans la province sont dans la province présentement et devraient doubler d'ici les 25 prochaines années et c'est la raison pour laquelle il est important que le gouvernement investisse dans les soins qui assureront aux aînés d'avoir le soutien nécessaire, peu importe quels sont leurs besoins. Et je suis tellement fière que notre gouvernement continue de faire des investissements historiques qui appuieront les aînés à tous les moments de leur vie afin qu'ils vivent des vies qui sont actives et sociales. Dernièrement, nous avons réaffirmé notre engagement envers les aînés lorsqu'on a prévu lorsque nous avons établi notre initiative pour les aînés. Est-ce que la ministre peut expliquer à cette Chambre l'investissement essentiel que nous faisons dans les soins pour les aînés? La ministre des Affaires des personnes âgées. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en remerciant la députée de Davenport pour son excellente question et je sais personnellement qu'elle défend grandement les droits des aînés dans sa circonscription. Comme elle l'a dit, notre gouvernement a annoncé son initiative de vivre en confiance et une partie de ce plan était 30 000 nouveaux lits en soins de longue durée. Et j'aimerais dire que nous avons respecté ce premier engagement au cours de la première phase. Et cette phase a été mise en place même dans ma circonscription et c'est historique. Pour la toute première fois, des permis ont été donnés pour un foyer de soins de longue durée sud-asiatique. Monsieur le Président, nous savons que les aînés d'aujourd'hui veulent qu'on les aide sur le plan de la santé, mais aussi sur les autres. Merci de réitérer l'engagement de ce gouvernement pour les soins aux aînés. Je suis très heureuse d'avoir annoncé avec notre ministre des Finances que pour la première fois, 256 permis ont été donnés à la communauté portugaise.
De ce côté, la Chambre reconnaît que les aînés ont besoin beaucoup plus que de dépenses en santé. Plutôt, ce gouvernement sait qu'alors que certains aînés ont besoin d'aide et de soutien en foyer de soins de longue durée, et d'autres veulent vivre de façon indépendante et veulent le faire pour le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle il est important pour le gouvernement d'investir en soins qui aident les aînés à avoir le soutien dont ils ont besoin pour qu'ils puissent demeurer chez eux. Est-ce que la ministre peut nous dire la façon dont ce gouvernement continue à investir dans les soins et comment ça aidera les aînés dans ma circonscription et à l'échelle de la province? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous ferons la mise aux voix du projet de loi budgétaire. Et chacun des députés a l'occasion de soutenir les aînés de la province. Notre budget comprend plusieurs initiatives qui soutiennent les aînés, y compris 750 $ par an pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui leur permettent de vivre de manière indépendante à la maison. Nous élargissons également l'assurance santé plus pour ceux qui sont âgés de plus de 65 ans. Si vous voulez donc soutenir les aînés de la province, soutenez le budget. Nouvelle question. La députée de Nickelberg. Merci, Monsieur le Président. Pour la ministre de la Santé. Pendant longtemps, les foyers de soins de longue durée au nord-est de la province font face à une pénurie importante en préposés au soutien de la personne. La situation a créé des difficultés pour des foyers de soins de longue durée pour le personnel, leurs résidents et les familles. Mais les gens du Nord se rétablissent facilement. Le leadership au centre de santé St. Joseph's a trouvé une solution possible en collaboration avec Collège Boréal. Ils offrent des droits de scolarité gratuits à ceux et celles qui sont diplômés en soins infirmiers, aux travailleurs de soutien développemental et aux autres professionnels de la santé pour qu'ils puissent devenir préposés au soutien de la personne. Madame la ministre, allez-vous soutenir ce programme pilote? La ministre de la Santé. Bien entendu, les préposés de soutien à la personne jouent un rôle très important au sein du réseau de la santé. C'est pour ça qu'au cours des trois prochaines années, nous investissons 23 millions de dollars pour ajouter 5 500 préposés à la main-d'œuvre. Nous fournissons 38 millions de dollars pour la formation de nouveaux préposés au soutien de la personne pour qu'ils disposent des outils nécessaires pour soutenir nos êtres chers. En fait, il y aura 65 millions de dollars au cours de trois ans pour la sécurité à la retraite des préposés. Nous travaillons au nord avec St. Joseph's pour les soutenir. C'est une initiative intéressante et j'ai hâte d'entendre davantage la députée d'en face. Complémentaire. Madame la ministre, la pénurie en préposés au soutien de la personne n'est pas quelque chose de nouvel, mais elle est très grave. Le centre de santé St. Joseph's vous en a fait part et a demandé un soutien de la part de votre gouvernement. Et quelle a été la réaction de votre gouvernement? Votre gouvernement a donné à ce foyer une ordonnance de conformité en raison de ce manque de préposés au soutien de la personne. Une ordonnance de conformité, comment est-ce que ceci aide les résidents des foyers de soins de longue durée du Nord? Comment est-ce que ceci fait en sorte que davantage de préposés soient recrutés? Le centre de santé Saint-Joseph a une solution. Ce projet pilote pourrait nous permettre de nous attaquer à la pénurie à l'échelle de la province. Vous avez cette proposition. Allez-vous l'approuver aujourd'hui? La ministre, je voudrais dire à la députée d'en face qu'en 2015, nous avons augmenté les salaires des préposés au soutien de la personne pour reconnaître le rôle important qu'ils jouent. Et la députée d'en face s'y est opposée. Nous comprenons à quel point il est important de recruter de nouveaux préposés au soutien de la personne. Ils font un travail très important. Nous allons continuer de travailler avec Saint-Joseph. C'est un projet intéressant. Et c'est une carrière proposée pour un grand nombre de personnes. Et donc, ça vaut la peine d'étudier cette proposition. Nouvelle question, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. D'abord, je voudrais dire que ça a été un privilège de représenter
mais comme étant de Kitchener-Conestoga, et ça a été aussi un plaisir de collaborer avec vous au cours des 6 dernières années. Cette question s'adresse à la Première ministre. C'est un enjeu que j'ai soulevé à plusieurs reprises. Les appels à l'offre juste pour des projets de construction dans la région de Waterloo, 84% des entreprises de construction n'ont pas pu se faire accorder des contrats locaux en raison d'une lacune dans la loi sur les relations du travail. Ce n'est pas juste pour les contribuables ni pour les travailleurs de la construction qui devraient pouvoir travailler sur des projets d'infrastructure publique dans les collectivités où ils résident. Madame la Première ministre, pour être juste, allez-vous fermer cette lacune? Le ministre du Travail. Je remercie le député d'en face de sa question. Comme nous le savons, la province a un système très organisé qui fonctionne pour ce qui est des relations de travail en Ontario. Le député parle de dispositions qui empêchent les employeurs de la province d'externaliser un travail qui est assujetti aux conventions collectives. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui a en fait été créé par le gouvernement conservateur, si le député s'en rappelle bien. La loi sur les relations de travail, qui est en vigueur, n'interdit pas de telles dispositions ni les rend obligatoires. À chaque fois qu'il y a une telle affaire, la Commission des relations de travail se prononce. Si une municipalité ou tout autre organisme veut contester, il y a des recours à cet effet. À la Première ministre. Madame la Première ministre, je sais que des députés de votre gouvernement ont fait une visite à l'hôpital St. Mary's à Kitchener, qui a un excellent centre de soins cardiaques qui a une performance qui est au-delà de la moyenne canadienne. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation importante d'opérations cardiaques faites à St. Mary's. Il y a donc une pression qui s'exerce sur cet hôpital. L'hôpital attend depuis longtemps le laboratoire EPE et a besoin de davantage d'investissements. La Première ministre s'engagera-t-elle à offrir l'investissement nécessaire pour élargir le programme de soins cardiaques à l'hôpital St. Mary's à Kitchener? La ministre de la Santé. Je voudrais dire au député d'en face, je sais qu'il s'est fait, plutôt qu'il a subi une opération des yeux. Et donc, je lui souhaite un bon rétablissement. Notre gouvernement a approuvé ce projet. Nous savons que le député est militante à cet effet. C'est la même chose pour la députée de Kitchener Centre. En 2016, nous avons inclus ce projet dans notre budget. Je comprends pourquoi le député d'en face est nerveux concernant ce projet, car si son chef deviendra premier ministre, il y aura des compressions et ça se peut que ce projet en face sera coupé. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question, le député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du Développement économique et de la croissance. Notre gouvernement a un excellent bilan concernant notre défense du secteur automobile. Lors de la récession économique, le secteur a été touché profondément. Et donc, nous avons dû prendre une décision, défendre le secteur ou ne pas agir. Contrairement aux conservateurs, qui auraient permis la banqueroute du secteur, nous l'avons défendue. Depuis 2004, le gouvernement de l'Ontario a investi 1,56 milliard de dollars qui a entraîné 12 milliards de dollars en investissement privé et nous a permis de protéger 90 000 emplois. Nous avons donc protégé l'usine General Motors, mais la chaîne d'approvisionnement demeure vibrante en Ontario. Le parti de l'opposition ne défend pas le secteur automobile. D'après ce parti, c'est une aide sociale pour les sociétés. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous parler de nos investissements dans le secteur automobile? Le ministre du Développement économique et de la croissance. D'abord, je voudrais remercier le député de Beaches East York de sa question. Il a raison.
Nous venons de faire un investissement dans le secteur automobile. Le vendredi dernier, à Cambridge, la première ministre ainsi que la ministre des Transports ont annoncé notre partenariat renouvelé avec Toyota pour nous assurer de la concurrentialité à long terme des usines à Cambridge et à Woodstock. Nous investissons 110 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la prospérité, et donc 8 400 emplois seront conservés. Nous avons également protégé la chaîne d'approvisionnement qui protège ces emplois. Cet investissement, lors de moments d'incertitude dans le secteur automobile d'Amérique du Nord, rend ces usines très concurrentielles. Ces investissements feront des usines à Cambridge et à Woodstock les seules usines qui construisent le RAV4 crossover. C'est ce genre de financement qui sera coupé par les conservateurs. Question complémentaire. L'opposition conservatrice fera une compression de cet investissement. C'est une excellente annonce pour la population de Cambridge et de Woodstock. C'est excellent d'entendre parler des investissements dans nos travailleurs et dans ce secteur. Et on parle de 100 000 personnes qui sont employées dans le secteur automobile. Et il y a des collectivités à l'échelle de la province qui dépendent de ces emplois pour payer les frais quotidiens. Les conservateurs tourneraient le dos à ces travailleurs et voulaient le faire, en fait, lors de la dernière récession. Doug Ford voudrait bien, en fait, éliminer ces emplois à la recherche d'efficacité. Et nous savons qu'efficacité signifie de compressions importantes. Le ministre pourrait-il nous parler du fait que ceci fait partie de notre investissement stratégique? Le ministre, je remercie le député de sa question de suivi. Notre gouvernement a fait des investissements stratégiques et a pris la décision d'investir dans nos entreprises et dans notre population. Et comme résultat, l'économie de l'Ontario est la plus forte au Canada. Nous collaborons avec les chefs d'entreprise et nous avons créé 900 000 nouveaux emplois depuis la récession, 40 000 emplois manufacturiers. Et l'année dernière, nous avons créé davantage que nos concurrents. Aux États-Unis, notre taux de chômage est à son niveau le plus faible depuis 17 ans, était inférieur à la moyenne nationale depuis 37 mois. Nous surclassons les autres provinces, l'Europe et les États-Unis. Le climat d'affaires est excellent. Nous sommes aux avant-postes au niveau des investissements directs étrangers et nous poursuivrons cette politique. Nous continuerons de faire des investissements dans le secteur automobile comme celui annoncé à Toyota. Je voudrais remercier tous les députés de notre gouvernement de cet investissement, de cette décision et de succès qu'auront Cambridge et Woodstock. Nouvelle question, le député de Huron-Bruce. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En 2011, le centre de santé à Kincardine s'est fait promettre un investissement de plus de 50 millions de dollars pour la salle d'urgence. Finalement, le député libéral n'a pas remporté l'élection et donc ce projet a été annulé. Et ce projet en fait partie du budget à nouveau. Pourquoi le gouvernement a-t-il utilisé ce budget pour annoncer à nouveau ce projet qui a été promis il y a 7 ans? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je sais que la députée de Huron-Bruce est militante pour son hôpital. J'ai visité Kincardine en tant que ministre des Services sociaux et communautaires et j'ai fait une annonce très importante au refuge à Kincardine dans le cadre des efforts de notre gouvernement pour offrir les soins à la population. Et je comprends donc son anxiété vis-à-vis de ce projet. Elle a l'occasion ce matin d'approuver notre budget, qui comprend cet investissement qui est nécessaire à Kincardine. Nous consacrons beaucoup de temps à l'étude de projets. Nous avons fait plusieurs investissements à l'échelle de la province et nous avons l'intention de le faire dans sa collectivité. Question complémentaire. Encore une fois, la ministre, les gens de Kincardine comprennent pourquoi ce projet fait partie du budget. C'est une indication que ce gouvernement ne s'intéresse pas aux soins de santé en Ontario rural.
Mais je reconnais le fait que la ministre a visité le refuge pour femmes. Elle a vu la croissance de notre communauté et à quel point ce projet est nécessaire. Et donc, arrêtez de jouer des jeux avec les manchettes. La ministre fera-t-elle en sorte que, peu importe le résultat du budget, de la mise au voie du budget, peu importe le résultat des élections, pouvons-nous faire en sorte que ce projet soit réalisé? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La présidente du Conseil du Trésor vous est avertie. La ministre. Je comprends la préoccupation de la députée d'en face concernant ce projet. Et un gouvernement sous Doug Ford, que fera-t-il? Les compressions s'en viennent. Un tel projet serait très facile à annuler. En octobre de l'année dernière, nous avons approuvé la planification de ce projet. Ce projet est en cours, donc je demande à la députée d'en face, soutenez notre budget et vous aurez votre projet. Nouvelle question, le député de Windsor-Tecumseh. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Bonjour. Depuis un mois, il y a une grève au casino Caesars au centre-ville de Windsor. Et typiquement, c'est une excellente source de recettes pour le gouvernement provincial, mais beaucoup d'argent a été perdu, de l'argent qui était censé financer les promesses du budget. Selon la vérificatrice générale, on ne sera pas en mesure de financer toutes les promesses. Et ce n'est pas tenant compte de la perte de recettes à Caesars. Comment pouvons-nous faire confiance aux promesses du budget du Parti libéral? Le ministre du Travail. Merci au député d'avoir posé cette question très importante concernant sa circonscription. Les travailleurs sont en grève depuis le 6 avril. Et lors de la date butoir, l'accord n'a pas été ratifié. Et je voudrais dire que nous avons l'un des meilleurs bilans en matière de relations du travail dans le monde occidental. 96% du temps, il n'y a pas de débrayage. Nous avons parmi les meilleurs arbitres qui se penchent sur cet enjeu. Je demande à tous les deux côtés de retourner à la table de négociation. Les meilleurs accords sont ceux qui sont conclus à la table. Nous nous efforçons à offrir de l'aide à cet effet. Et les résultats sont majoritairement très fructueux. Je crois que nous pouvons conclure un accord si les deux côtés retournent à la table de négociation. Depuis un mois, 2300 travailleurs sont en grève. En fait, le casino est propriété de la population de l'Ontario. Nous perdons des millions de dollars. Caesars vient d'annuler tous ses spectacles pour le mois de mai. C'est de l'intimidation. Le gouvernement a une obligation vis-à-vis des contribuables ainsi qu'envers ceux et celles qui sont en grève. Il doit exercer une pression sur Caesars pour encourager les acteurs du milieu de retourner à la table de négociation. Le gouvernement libéral, quand fera-t-il preuve de leadership et quand s'engagera-t-il à résoudre cette grève à Caesars? Le ministre du Travail. Je remercie le député d'en face de sa question. Nous aimerions bien voir une solution. Il faut que les deux parties reviennent à la table de négociation, et surtout à Windsor, quand il y a parfois des gens qui veulent participer ou se mêler de cet accord, même s'ils ne sont pas acteurs du milieu. D'autres personnes sont touchées par cette grève. Beaucoup d'étudiants à l'université York sont en train d'être touchés par une grève. Le député d'en face ainsi que son parti ont eu 4 ou 5 occasions de terminer cette grève. Ils ont tourné le dos aux étudiants. Nous avons une solution. Ils devraient soutenir les étudiants. Nouvelle question. La députée Kingston-Les Îles. Ma question s'adresse
À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, il est important que le gouvernement, que les jeunes et les vieux puissent avoir accès aux médicaments sous ordonnance sans en avoir assumé les coûts. Ainsi, le gouvernement a fait un investissement historique en Ontario grâce au régime Médicaments Plus. Je sais que ce programme est important pour mes commettants parce qu'ils n'auront plus à s'inquiéter pour le paiement des ordonnances. Plus de 4 400 médicaments seront gratuits, que ce soit les inhalateurs ou les pilules anabolisantes et ainsi de suite. Je sais que ces investissements sont très importants, comme peut payer les acteurs pour participer à une manifestation, à un rallye politique. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ministre, merci à la députée de sa question. En tant que physicien, médecin, mère et pas encore grand-mère, je crois que les enfants de l'Ontario doivent avoir accès aux médicaments nécessaires pour vivre en santé. Depuis janvier, le 1er janvier, plus de 3 millions de jeunes de moins de 24 ans peuvent voir le médicament non payé. Plus de 4 millions d'ordonnances ont été remplies. Ce régime d'assurance maladie plus est à l'avantage des familles et cela aide également les groupes qui aident les familles, comme le Centre Massé, qui donne des services avant le régime d'assurance maladie supplémentaire. Grâce à ce programme, ils peuvent utiliser cet argent pour des services et des programmes à la collectivité complémentaire. Merci pour avoir donné cette mise à jour et pour aider dans vos efforts continus pour améliorer le réseau de santé en Ontario pour tout et chacun, y compris les acteurs, évidemment. Le régime d'assurance maladie plus améliore la santé, le bien-être des jeunes, mais aide à alléger le fardeau financier des familles, y compris les aînés. Dans ma région, plus de 86 000 enfants et jeunes ont vu leur ordonnance être obtenue gratuitement, ainsi que dans les universités, ainsi que Shoppers Drug Mart, ainsi que les autres indépendants. Je suis fier de faire partie du gouvernement pour aider les plus vulnérables de la population. Est-ce que la ministre de la Santé peut informer la Chambre l'impact d'un programme aura sur la population de l'Ontario? Intervention du président. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ministre, merci. Ce n'est pas seulement les jeunes. Nous savons que le coût des médicaments sous ordonnance est exorbitant pour les aînés qui doivent prendre plusieurs médicaments. Nous voulons le mieux pour nos familles, nos parents, nos grands-parents, mais grâce en 2019, nous allons avoir des médicaments gratuits pour les aînés de plus de 65 ans, sans code-part, sans franchise, pour une vie plus abordable, à l'intention de plus de 2,6 millions aînés, avec l'objectif d'un régime d'assurance maladie plus pour tous les Ontariens. Voici
la façon dont aident les aînés de ce côté de la Chambre. Nous allons continuer à lutter pour le régime d'assurance maladie universel pour avoir des médicaments gratuits pour tout et chacun. Bruce Gray, Windsor, ma question s'adresse à la première ministre. Votre bilan pour les aînés en soins de longue durée est une honte nationale. Après avoir fait aucun investissement et en doublant les listes d'attente, et à la veille des élections, vous avez annoncé, puisque vous avez eu 15 ans pour le faire, vous ne l'avez pas fait. Je voudrais savoir, première ministre, pourquoi les aînés et leurs familles devraient vous faire confiance pour construire de nouveaux lits après 15 ans d'inaction? Combien de lits ont été attribués pour les 14 listes R-listes dans la province? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Ministre responsable des aînés, je voudrais commencer par corriger le tir. Dans sa question, il suggère qu'on avait annoncé celle-là à la veille des élections. C'est pas vrai. Nous avons annoncé celle-là en novembre lorsqu'on a annoncé 39 000 lits sur 10 ans. Oui, nous avons fait les choses rapidement dans ce dossier. Et nous avons tenu notre promesse pour les cinq premières mille lits. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Intervention du président. Facile, du calme. Passez par la présidence, s'il vous plaît. Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils disent pas qu'on ne peut pas construire rapidement. Vous savez quoi? Que vous construisez tôt rapidement. Choisissez un airline, un airless. Député de Chatham-Kent-Essex, merci. De retour à la première ministre. Nous manquons de médecins dans la région. Nous avons 27 médecins. Maintenant, nous sommes rendus à 22. Deux prendront leur retraite. Il y aura moins de médecins. Nous avons été identifiés par votre ministère comme étant sous-financiers. Et cela ne permet pas d'avoir des services adéquats. Les coûts fixes ne changent pas. Moins de médecins, plus de coûts pour les médecins. Ministre, voulez-vous nous aider dans la région et ajouter un financement pour les nouveaux médecins et les infirmières pour que les gens de ma circonscription puissent avoir les soins primaires qu'ils méritent? Ministre de la Santé et des Soins de la Santé et des Soins de longue durée. Évidemment, notre gouvernement s'engage à s'assurer qu'il y a suffisamment de médecins. Depuis 2003, le nombre de médecins a augmenté à la hauteur de 30 %, soit plus de 6 000 médecins dans le réseau de la santé. Pendant cette période, la population a augmenté de 11,7 %. Cela que nos investissements, que le rapport médecin pour chaque 10 000 Ontariens a augmenté de 17,5 à 20,5. Et cela correspond de 1 800 médecins de famille, soit une augmentation de 27 %, plus de 300 spécialistes, soit une augmentation de 33 %. Nous sommes allés de l'avant dans plusieurs dossiers pour s'assurer qu'il y a suffisamment de médecins, la rétention de ces médecins pour dispenser de bons services en Ontario. Nouvelle question. Député de Timmins Bay James. Oui! C'est moi qui posera la dernière session. C'est cool. Génial. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, vous savez très bien que nous tous en Chambre, que vous allez à la pompe et le prix est exorbitant. On parle de 1,40 le litre alors que le baril est à 70 $, alors qu'il était à 120 $. On paie autant. Les pétrolières exploitent la population. Il n'y a aucune façon qu'ils puissent justifier une augmentation à 1,40 $ le litre. Voulez-vous faire ce que doit faire une bonne première ministre et adopter notre politique ou de réglementer le prix de gaz comme les nouveaux démocrates et Mme Horvath le feront? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis heureux de donner la dernière réponse pendant cette session parlementaire. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour votre carrière et le travail et l'excellent boulot que vous faites.
Vous avez été averti, Monsieur le Président. J'ai hâte de parler de cet enjeu pendant la campagne. Comme il sait que la réglementation fera augmenter les coûts, nous savons très bien, nous avons un bilan pour diminuer le coût, comme on l'a fait avec le programme d'équité en matière d'électricité. Nous allons aller devant, nous allons continuer d'en parler pendant la campagne électorale. Avant, il y a certains rappels au règlement, le plus court possible, avant la mise au voie. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Je voudrais dire, ma fille, Rachel, est ici. Elle nous rend visite. J'apprécie sa présence. Merci à Rachel d'être venue. Également, mon personnel, sans qui je ne peux pas rien faire, mon personnel qui est ici, Al Heather, merci d'être ici. Maintenant, au whip, au doyen de la Chambre de Sainte-Catherine. Merci. Ce serait approprié de rendre hommage, comme on l'a fait, des personnes qui ne sont plus ici, qui ne vont pas se représenter. Je suis le député qui a servi le plus longtemps. En 1995, York Centre, député dans ses 32 ans, et il a des problèmes de santé au cours des derniers mois. Il continue de représenter ses commettants de façon très bien. Il a eu plusieurs postes de ministre. Il s'est déplacé partout dans le monde pour représenter les meilleurs intérêts de la province d'Ontario. Nous avons beaucoup d'affection pour M. Monty Quinter. Député de Huron-Bruce, merci. Je voudrais apprécier et vous remercier pour le travail que vous avez fait. Vous avez été un président remarquable. Vous avez fait tant pour la Chambre. Lorsque vous nous représentez dans des conférences, vous êtes très fier de dire aux autres comment on gère cet ensemble. Et votre héritage va avoir un impact à l'avenir sur que ce soit le whisky ou la bière. C'était une excellente initiative. Et plus important encore, se rappeler de ne jamais oublier. On a encore beaucoup de travail, comme le groupe de panel d'Autochtones, et nous allons nous assurer que le travail est fait. Merci pour tout ce que vous avez fait. Sonia Lampton, merci, M. le Président. Je voudrais vous présenter deux invités qui sont ici avec moi. Dans Long Givens et Long Givens, junior et senior de ma circonscription de Sonia Lampton. Nicole Bell. Merci, M. le Président. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la francophonie à l'Assemblée législative. J'ai eu le privilège de voyager avec vous pour l'Association parlementaire de la francophonie et j'ai toujours apprécié les efforts que vous avez faits. I wanted to thank you for your years of service here. Je voudrais vous remercier pour tous vos services et tout l'excellent travail au nom des néo-démocrates et du groupe parlementaire néo-démocrate et de son chef. Ce n'est pas facile. Vous avez bien géré la situation. Ministre des Finances. Nous sommes bénis d'avoir un personnel qui travaille pour nous tous, qui nous permet de faire notre travail. Je voudrais souhaiter la bienvenue à mon assistant, Sophia Krokolis, à la tribune, qui est assis avec son ami Jason Reynolds. Je voudrais la remercier pour sa contribution au budget
au comité des finances. Elle a fait un excellent travail, comme ces personnes le font pour nous tous. Merci à tout mon personnel. Ministre responsable des aînés, je voudrais profiter de l'occasion de remercier de tous les députés pour tout leur service envers les Ontariens. Je voudrais reconnaître un groupe qui est venu de ma circonscription, SAV Canada, Syrian Active Volunteer Canada. C'est un organisme de bénévoles pour aider les réfugiés de Syrie qui sont venus au Canada. Je voudrais Sam Jershi, Samar Noumani, Amjam Nasri, Rahmat Idilbi, Faris, Ali Akbert, Munzer, Walfay, Ashraf Alaret, Grana Alouska, Madame Alouski, Dana Alouski, Eba Jaber, Kosser Al Rafai, Redon Gargan, Namur Hamo, Chakaria Aldara, Rema Aldara, Mohamed Al-Savi, Bara Ali Al-Sadi, Yassan Afghan, bienvenue à Queen's Park. Je viens de reconnaître Tyler qui travaille dans mon bureau. Je voudrais saluer un ami, Caspar Reba. Nous sommes venus au Canada à peu près en même temps. Nous avons échangé beaucoup de choses entre nous. Je suis très fier de lui et il a toujours été avec moi. Merci. Algon Middlesex, London. Nous avons des écoles, des étudiants d'une école de ma circonscription. Pat Wellington, je voudrais vous remercier pour ne avoir jamais sanctionné mes colères pendant 2 années et demie. Oui, vous êtes averti. Vous avez bien deviné. Kitchener-Conestoga, je voudrais souhaiter la bienvenue, mon commettant, mon personnel et David Koumen, pour ceux qui travaillent dans mon bureau de circonscription. Windsor de Comcy. Merci. Rappel au règlement, je voudrais demander pour votre consentement une année pour vous permettre de dire au revoir. Est-ce que je dois... Devrais-je... C'est ce que je fais déjà, non? Ministre des infrastructures. Pouvez-vous décider pour savoir que c'est approprié en portant des sneakers rouges. C'est la seule paire que je possède. Si j'avais eu du jaune, j'aurais porté du yellow. Je voudrais souhaiter la bienvenue qui m'ont inspiré dans mon travail au jour le jour. Ma famille avec nous. Mon père, Larry Naidoo. Mon mère, Naidoo Harris. Notre fille, notre fils, et notre Bru, qui est assise à l'arrière. Je voudrais noter que les députés de Timmins Bay James s'est vu confisquer son téléphone. J'ai une annonce rapide. C'est triste. Je suis le porteur de mauvaises nouvelles. C'est le dernier jour des pages, le dernier ensemble de pages pendant le 42e législature. Je voudrais les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait pour nous. Nous les remercions beaucoup. Nous avons mis aux voix sur la motion en troisième lecture du projet de loi 53, loi concernant convoquer les députés. Sonnerie de 5 minutes.
Members, please take your seats. Je demande à tous les députés de s'asseoir. Please take your seats. Thank you. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Social butterfly. On May 7th. Le 7 mai 2018, M. Flynn propose la troisième lecture du projet de loi 53, loi concernant la fixation de salaire minimum pour les marchés publics. Avis favorable, veuillez vous lever. Bradley. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca. Ms. McMahon. Ms. McMahon. Mr. Souza. Mr. Souza. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Ms. Naidoo-Harris. Ms. Naidoo-Harris. Ms. Jassy. Ms. Jassy. Mr. Shirelli. Mr. Shirelli. Mr. Chan. Mr. Chan. Ms. McCharles. Ms. McCharles. Mr. McMeekin. Mr. McMeekin. Mr. Takkar. Mr. Takkar. Mr. Quinter. Mr. Quinter. Mr. Dugan. Mr. Dugan. Mrs. Sandals. Mrs. Sandals. Ms. Matthews. Ms. Matthews. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Moridi. Mr. Moridi. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Leal. Mr. Leal. Mr. Thibault. Mr. Thibault. Mrs. Albanese. Mrs. Albanese. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Bardinetti. Mr. Bardinetti. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Ms. Domino. Ms. Domino. Ms. Verniel. Ms. Verniel. Mr. Milchin. Mr. Milchin. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Ms. Molly. Ms. Molly. Madame DeRozier. Madame DeRozier. Mr. Codrey. Mr. Codrey. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangan. Mrs. Mangan. Mr. Crack. Mr. Crack. Ms. Wong. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Koala. Mrs. Martin. Mrs. Martins. Jakubowski. Mr. Jakubowski. Mr. Arnold. Mr. Arnold. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Ms. Scott. Ms. Scott. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. Urick. Mr. Urick. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Pettipies. Mr. Pettipies. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Cho. Mr. Cho. Ms. Forrester. Ms. Forrester. Ms. Chibisong. Ms. Chibisong. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Madame Jelinek. Madame Jelinek. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Harris. Mr. Harris. All those opposed, please rise one at a time. Avis contraire, veuillez vous lever. The ayes are 79, the nays are 0. Oui, 79, non, 0. Les oui étant 79, je déclare la motion adoptée. Qu'il soit résolu de faire adopter ce projet de loi tel qu'intitulé dans la motion. Troisième lecture du projet de loi 31, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à dicter, à modifier diverses lois. Laissez-moi terminer. Nous aurons une sonnerie de 5 minutes. Le 7 mai 2018, M. Souza propose la troisième lecture du projet de loi 31, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à dicter et à modifier diverses lois. Avis favorable, levez-vous. Ms. McMahon. Ms. Wynn. Ms. Naidoo-Harris. Ms. Naidoo-Harris. Ms. Jassy. Ms. Jassy. Mr. Shirelli. Mr. Shirelli. Mr. Chan. Mr. Chan. Ms. McCharles. Ms. McCharles. Mr. McMeekin. Mr. McMeekin. Mr. Takkar. Mr. Takkar. Mr. Quinter. Mr. Quinter. Mr. Dugan. Mr. Dugan. Mrs. Sandals. Mrs. Sandals. Ms. Matthews. Ms. Matthews. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Moridi. Mr. Moridi. Ms. Hunter. Mr. Hunter. Mr. Coteau. Mr. Coteau.
Mr. Leo. Mr. Leo. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Tebow. Mr. Tebow. Mrs. Albanese. Mrs. Albanese. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Bardinetti. Mr. Bardinetti. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Ms. Domerly. Ms. Domerly. Ms. Verniel. Ms. Verniel. Mr. Milchin. Mr. Milchin. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Ms. Molly. Ms. Molly. Madame DeRozier. Madame DeRozier. Mr. Codrey. Mr. Codrey. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangas. Mrs. Mangas. Mr. Crack. Mr. Crack. Ms. Wong. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Koala. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Potts. Mr. Potts. All those opposed, please. Avis contraire, veuillez vous lever une personne à la fois. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Mr. Miller Perry Salmuskoka. Mr. Miller Perry Salmuskoka. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Ms. Scott. Ms. Scott. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. Urich. Mr. Urich. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Pettipe. Mr. Pettipe. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Cho. Mr. Cho. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Ms. Shibby Song. Shibby Song. Madame Jelinek. Madame Jelinek. Mr. Tabin. Mr. Tabin. Ms. Forrester. Ms. Forrester. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Harris. Mr. Harris. Les oui 53 et les non 28. Les oui 53, les non 28. Je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que ce projet de loi soit adopté tel qu'intitulé dans la motion. Monsieur le Président, Son honneur attend. Thank you.
Pray be seated. Veuillez vous asseoir. Qu'il plaise à votre honneur, l'Assemblée législative de la province de l'Ontario a adopté au cours de la séance actuelle certains projets de loi que je prie respectueusement en son nom, votre honneur, de sanctionner. Voici les titres. Une loi pour amender. Une loi concernant la fixation des salaires minimums pour les marchés publics. Au nom de Sa Majesté, Son Honneur, la lieutenant-gouverneure sanctionne ces projets de loi. Monsieur le Président, députés de l'Assemblée législative de l'Ontario, alors que les Torontois font preuve de résilience suite aux tragédies il y a quelques jours, j'aimerais reconnaître le chef de la police Mark Saunders, Tony Babalta, le chef des pompiers et le chef par intérim des ambulanciers, Gordon McKinnon, qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Et ainsi, Juliana Carboni, le gestionnaire de la ville de Toronto, et le chef des travaux publics, Michael Killisworth, chef de la commission des transports. Toutes ces personnes sont dans la tribune. Ces chefs ont orienté plus de 50 premiers répondants et orientent des personnes pour s'assurer du bon fonctionnement de cette ville formidable et de notre bien-être. Leur professionnalisme et leurs compétences ont été accomplis lors de bonnes et de mauvaises journées. C'est vraiment un exemple pour tous. J'aimerais exprimer mon appréciation envers vous tous pour vos services. Je sais que vous êtes loin de vos familles et de vos proches. Votre dévouement envers les commettants et envers les Ontariens est vraiment quelque chose à souligner et à féliciter. Sans vos efforts, notre démocratie serait diminuée. Comme représentante de la Majesté sa Reine, je vous offre ma profonde reconnaissance au nom des Ontariens pour vos services exemplaires. Je vous demande de m'offrir quelques minutes. La situation est incroyable. Cet endroit est incroyable. Ce que nous accomplissons, notre façon de servir. J'aimerais vous remercier personnellement de m'avoir donné cette occasion absolument magnifique dans ma vie que je n'oublierai jamais. Vous,
vous le savez. Vous savez que nous sommes vraiment importants dans le monde. Laissez-moi vous offrir mes plus profondes reconnaissances, et je suis certain que vous partagez avec moi mes profondes reconnaissances envers le personnel de l'Assemblée législative. Ces personnes travaillent sans relâche dans les coulisses, parfois de façon visible, pour faire fonctionner cet endroit. Au personnel, à la sécurité, à toutes les personnes qui travaillent dans cet édifice, ainsi que dans l'enceinte. De manière humble, je vous offre mes remerciements pour votre travail bien fait. And by extension, to each and every one of your staffs. Et à chacun des membres de votre personnel, passé, présent et pour certains d'entre vous, à l'avenir. Ces personnes représentent la charpente de ce que vous accomplissez au service de vos commettants et des Ontariens. Ce personnel qui nous aide chaque jour, parfois nous protège, parfois ce personnel porte sur leur dos le fardeau de la passion de tout le monde. À mon personnel, à votre personnel, merci d'avoir accompli votre travail. Merci. Pour ceux d'entre nous qui continuons notre passion, faites-le avec dignité et de la classe. Si vous êtes blessé, vous pouvez vous servir de différentes communications pour blesser d'autres. Je sais que parfois, dans votre cœur, vous reconnaissez que les gens essayent d'accomplir leur travail. Je vous offre la paix. Au fond de votre cœur, veuillez reconnaître qu'on n'est pas obligé de se diminuer. Il faut toujours être passionné, mais faites-le gentiment. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que vous êtes ma famille. Et si c'est le cas, ma maison est ouverte. Je dois vous dire que deux carrières pleines, une en éducation et l'autre en politique, je n'ai jamais oublié dans mes carrières que nos familles sont sacrifiées. Chacun d'entre nous, nous sacrifions quelque chose. Alors à ma famille, j'aimerais leur offrir mon amour inconditionnel et ma reconnaissance. Ma famille m'a permis d'accomplir ce que je souhaitais. Alors je leur dis, aujourd'hui, papa revient à la maison. Je vais commettre un geste avant de quitter, mais je dois faire cette proclamation officielle. Une fois que je vais quitter, je vais vous quitter avec mes yeux, mes oreilles, mon cœur, afin de m'assurer de vous surveiller tous. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. J'ai reçu une proclamation qui demande la dissolution de la 41e législature à 2 heures cet après-midi. Suite à cela, l'Assemblée législative ne va pas se réunir à nouveau aujourd'hui. Alors, nous levons la séance conformément à ce que je viens de dire.